Le sabre du Taiji est une arme courte du Taiji Chuan. Il se base sur les mouvements du corps et les déplacements du Taiji Chuan. Les mouvements sont fluides avec des techniques de sabre bien distinctes. La force est bien transmise et on alterne entre fermeté et douceur. Les mouvements du sabreur doivent être bien coordonnés. Wang Tianhua, que nous connaissons bien. Professeur distingué de Wushu de l'Université des Sports de Pékin, à partir de maintenant, c'est donc elle qui va nous emmener dans l'univers du sabre du Taiji. Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Bienvenue dans ce programme sur le sabre du Taiji. Et voici notre nouvelle amie. Bonjour à tous, je m'appelle Fanjo et je viens du Portugal. Fanjo, étudiant étranger de l'Université des Sports de Pékin. Pour réaliser son rêve de Kung Fu, il est venu d'une terre lointaine jusqu'en Chine pour étudier. À partir d'aujourd'hui, commençons avec lui à suivre l'étude du sabre du Taiji avec la professeure Wang. D'abord, on débute par les exercices de base. D'abord, présentons les différentes parties du sabre. Ceci est le manche. En général, on le prend dans la main droite. Le disque, c'est cette partie ronde. Le corps, la lame, le revers, la tête, la pointe. Ceci est appelé le foulard. Quand on porte le sabre, la paume soutient le disque. Les doigts se posent naturellement sur le manche, les deux mains descendent sur le côté des cuisses. Maintenant, nous allons étudier une technique de base du sabre appelée piquer. Sabre dans la main droite, venez piquer vers l'avant. Fais-le une fois, s'il te plaît. Bien. Lors du piquage, la force doit arriver de manière fluide jusqu'à la pointe du sabre. Vas-y avec moi. Piquer. Maintenant, nous étudions pour fendre. Sabre dans la main droite, levez-le au-dessus, puis venez pourfendre vers le bas. Vas-y, s'il te plaît. Bien. Pourfendre va du haut vers le bas. La force arrive dans la lame du sabre. Vas-y avec moi. Pour fendre. Ensuite, nous étudions brandir. Sabre dans la main droite, levez-le par l'arrière et brandissez-le au-dessus de la tête. Poussez avec la paume gauche devant. Fais-le une fois, s'il te plaît. Bien. Sabre dans la main droite, on décrit une courbe vers le bas, puis on le place au-dessus de la tête. La lame est vers le haut, la main gauche pousse devant, regarde devant soi. Vas-y avec moi. Brandir. Ensuite, nous allons pratiquer toutes ces techniques de sabre dans un enchaînement afin de les maîtriser. Pied joint, corps droit. Écartez le pied gauche. Montez les mains. Pliez les genoux et descendez. Position du cavalier, saisir. Position de l'arc, piquer. Position unipodale, brandir. Position de l'arc pour fendre. Pieds joints, coupés. Un pas, un autre pas.
position unipodale, piqué. Quel est le moment favorable à la pratique du sabre du traitier? Quand on a faim ou qu'on vient de manger, ce n'est pas le bon moment pour pratiquer. En général, il faut pratiquer au moins une demi-heure après le repas. Après la pratique, le mieux est de pouvoir attendre 20 minutes avant de manger. Maintenant, on étudie enrouler la tête. Sabre dans la main droite, aller du côté gauche au côté droit, en passant par le dos jusqu'en dessous de l'aisselle. De gauche vers la droite, terminer sous l'aisselle. Fais-le une fois, s'il te plaît. Bien. Attention lors de l'enroulement. Le sabre est droit vertical. On passe par le dos, de gauche à droite, on balaye, on retourne le sabre et on colle le revers sous l'aisselle gauche. Allons-y ensemble. Faites attention au mouvement des mains. Maintenant, étudions envelopper le cerveau. Sabre dans la main droite. Depuis le côté droit, collez le revers au dos, puis allez jusqu'au côté gauche. Étirez. Regardez encore une fois. De la droite vers la gauche, étirez. Fais-le une fois, s'il te plaît. Bien. Quand le sabre colle le dos, il est droit vertical. Le revers colle le dos. On fait le tour jusqu'à gauche, puis on tire. Fais-le une fois avec moi. Enveloppez le cerveau. Ensuite, continuons avec la pratique d'un enchaînement des techniques de base de sabre. Levez et écartez le pied gauche. Levez les mains, pliez les genoux et coudes et descendez. Position du cavalier, saisir le sabre. La main droite tient le sabre, enroulez la tête. Position de l'arc, enroulez la tête. Pas vide, enveloppez le cerveau. Avancez, piquez. Position du cavalier, ramenez. Position assise, coupez. Quels sont les points importants de la leçon? Lors du piquage, le point de sortie de force doit être précis. L'énergie doit arriver de manière fluide. La force arrive dans la pointe du sabre. Pour fendre, se fait du haut vers le bas, rapidement et avec force. La force doit atteindre la lame du sabre. Brandir se fait de bas en haut en plaçant le sabre au-dessus de la tête. Le sabre doit être horizontal. Ensuite, nous refaisons l'enchaînement des techniques de sabre. Première forme. Position du cavalier, saisir. Position de l'arc à gauche, piquer. Position unipodale, brandir. Position de l'arc pour fendre. Pieds joints, couper. Position unipodale, piquer.
On refait. Enlacez la lune. À quoi faut-il également faire attention dans ce cours? Pour enrouler la tête, lorsque le sabre va du côté gauche au côté droit en faisant le tour d'à l'arrière du corps, le revers du sabre doit être le plus près possible du dos. Pour envelopper le cerveau, lorsque le sabre va du côté droit au côté gauche en faisant le tour de l'arrière du corps, le revers du sabre doit être le plus près possible du dos. La rotation du corps et le tour du sabre doivent être coordonnés. Refaisons ensemble le deuxième enchaînement des techniques de sabre. Position du cavalier, saisir. Position de l'arc à gauche, enrouler la tête. Pas vide, envelopper le cerveau. Position de l'arc, piquer. Position du cavalier, ramener. Position assise, couper. On refait. Enlacer la lune. Maîtrisez-vous les exercices de base du sabre du Taizi? Au prochain cours, nous étudions la forme. J'attends ça avec impatience. Chers téléspectateurs, à la prochaine fois. Au revoir. Amis téléspectateurs, apprécions ensemble les mouvements des deux premières parties de la forme du sabre du Taizi que nous étudierons.